Madame, Messieurs les journalistes, merci d'être présents. Vous êtes tous hier le juge David Dan Kanchong qui prend ce ruling dans la requête d'injonction qui est la plateforme citoyenne No to New ID qui est lancée à la Cour suprême. Suite à sa ruling là, nous finançons, nous prenons le temps, nous étudions ce que le juge nous donnait, nous finanalisons, et à partir de là, maintenant, ce qui nous dit annoncé dans l'invitation, une stratégie qui nous permet en place, car c'est contrairement à ce qui est un cas dire qui c'est la victoire de la démocratie, nous positionnons pour dire que tout simplement la bataille ne s'arrête pas là, au contraire, c'est la guerre qui démarre et la guerre. Au point de vue légal, cela s'entend. Petite précision que nous avons amené, tout ce combat-là, ce passage devant la Cour suprême-là, nous disons soumis l'initiative du regroupement des travailleurs sociaux, regroupement de travailleurs sociaux, qui finit à la base de cette démarche citoyenne. Par la suite, il y en a beaucoup de monde qui finit sympathise avec ça, la lutte-là, qui finit grève à sa initiative là, et nous nous retrouvons avec une plateforme élargie, une plateforme qui nous appelle justement la plateforme No to New ID. Et grâce à ce front-là, nous sommes capables, nous gagnons le courage, nous gagnons toute la motivation pour aller jusqu'à ce que nous avons envie d'aller, c'est-à-dire pas arrêter là avec un jugement contraire, mais avec le courage d'emmener la bataille sur un autre level. Right. Sur plusieurs niveaux, non seulement au niveau légal, mais nous pouvons amener aussi la bataille au niveau politique. C'est-à-dire que là, nous pouvons faire un enjeu pour la nation tout entière, parce qu'il nous pensait que sa décision qui finit de gagner hier là, c'est une décision qui a contre les droits de l'homme, qui a contre le droit des Mauriciens, qui peut faire nous croire qu'il nous paye un droit à la privauté, à la vie privée dans sa pays-là, selon nos constitutions, alors que c'est totalement le contraire. Pour développer tout ça là, nous avons le docteur Maharaja Mahadeo, celui-là même qui fait en son nom une action en direct dans la Cour suprême. Nous avons le légaliste, M. Erickson Mouniapile, M. Maître Sandy Mekilek-Dari, et bien sûr à la table, un des membres fondateurs du regroupement travailleur social, M. Eddy Sadien. Eddy Sadien, qui je tout connais, est dans une partie combat très important pour nous associer. Pour tout de suite, je laisse le docteur Mahadeo livrer ce dans l'impression et dire ce. Je remercie la presse pour sa présence, inclus MBC. Surtout aujourd'hui, depuis longtemps, nous pouvons amener ce combat-là et que malgré que la Cour peut-être y peut trouver, qui va dire dès que va dire vers les 30, les temps de nous mettre une injonction, il paraît être qui nous l'a la surface. Mais il n'est pas vrai, mon capable rappelez-vous que nos premières presse conférences nous y faire ici, c'était le 27 août 2013. Et nous avons fait une manifestation, inclus en la marche, qui nous a marché avec la pancarte, avec nos camarades. Nous avons fait ressortir toutes nos petites choses qui ne sont pas d'accord avec sa nouvelle carte biométrique qui nous a amené là. Je retourne tout de suite vers comment je me sentis avec la situation d'injonction qui vient de paraître hier. Je suis vraiment ému. Malgré qu'il me connaît qu'il n'est pas une bataille facile avec le gouvernement, moi vraiment ému qu'il me protection, qu'il me fin demandé, il fin rejeté. Mais seulement, comment on peut dire, il n'est pas une bataille qui peut terminer de si vite. Nous en avons beaucoup, à faire, nous pouvons continuer. Je fais une déclaration très forte qui nous peut demander la Cour suprême. Nous vous faisons un appel pour revoir la décision. Vous avez le droit de répondre à une question, si, comment dire, il y a une question qui vient envers moi.
c'est peut-être un des petites choses qui finit par être dans l'injonction là. Peut-être je pensais qu'il va dire moi fin faire un amendement from the back door, qui n'est pas vrai. Moi faire la presse connaît qui sa jugement là l'y fait à nous bien déçus. Mon droit constitutionnel n'y finit pas foué. Et n'a pas juste moi tout seul, il y a 12 000 personnes qui finissent signer une pétition, qui finissent montrer ce désaccord avec sa nouvelle carte biométrique là, et principalement une carte qui dit a beaucoup de capacité là-dedans. Sa bataille là n'est pas pour moi tout seul. Avant 1968, nous te disons que l'anglais peut faire dominer. Esther Mauricien peut faire ou applaudissant. Le pays est roulé par Mauricien. Mais voilà, quand nous droit perdre, quand nous parler avec nous droit. Nous n'est plus connu quelle direction nous pouvons prendre. Un gouvernement qui peut embêter les peuples, les paraît qui n'a pas de rangoulam financer un conteneur 40 pieds, là-dedans, il finit mettre un livre Margot. Qu'il y peut faire avec 95% de sa l'espace de technologie qui est là-dedans, dans sa l'espace à puce là. Il est vraiment pas fait à nous croire que quand la judiciaire peut dire, le judiciaire peut dire comme ça, qu'il y a beaucoup de safeguards que le gouvernement fin prend le temps de mettre à disposition sa carte biométrique là. Il n'est pas vrai. Moi, avec mon bon supporter, nous sentis qu'il va dire un casot de paix ouvert. Après, vous décidez. Le gouvernement, après qu'il vous décide, si pas, il vous faire carrière avec vous, ou bien il vous mettre là là-dedans. C'est ça la façon qui nous sentis le gouvernement peut faire avec nous. Est-ce qu'il n'y a pas fin l'air pour le judiciaire gagner sa liberté? Et même MBC, jusqu'à hier, nous partions gagner couverture MBC. Peut-être si, comment dire, nous gagnons couverture MBC depuis assez longtemps, peut-être nous avons une mise au point pour que les gens comprennent et pour que les gens prennent une disposition qu'ils ont besoin de faire. Là, mon frère, je connais quelques jours de cela, moi en transfert depuis dans la case, mon papa trouve mon carte. Identité, me demande moi si STM ou quoi demande une carte d'identité dans laquelle Lydia ou déjà qui pas nécessaire ou donne pas obligé ou donne ou biométrique ou l'empreinte pas obligée. Mais seulement si ou pas donne ou l'empreinte ou pas pour une carte d'identité. Et Raorama une causé très clair à la radio à plusieurs fois qui dit ou comme ça sa ancienne carte là l'inépli ou vine dans disposition Bandimoun. Alors, qui m'a supposé faire? Attendre 2014, septembre 2014, comment le judiciaire peut dire? Il n'y a pas juste moi. Je peux cause pour tout Bandimoun, tout Band Mauricien. Il y a beaucoup de monde sur le corps perdu, environ 200 de monde sur le corps perdu presque tous les jours. Alors, ce Bandimoun-là, obligé, je peux un choix, je suis obligé à donner l'empreinte, et si je ne pas donner, je ne pas pour gagner un corps. Vous êtes capable de continuer à faire cette bande démarche à acheter la terre, à faire une démarche travail, à dans la banque trouver un compte, etc. Est-ce qu'il nous droit humain, il ne trouve dans la Constitution? Si, comment dire, le judiciaire peut dire comme ça, il n'est pas tellement intéressé pour discuter la constitutionnalité. Est-ce qu'il vraiment nous droit, il n'est pas trouvé dans la Constitution? Qui nous pensait que nous devions faire une référence avec ça pour protéger moi comme un humain. Il y a beaucoup de l'accord, convention, par exemple, comme la convention Cotonou, etc., qui nous pays à signer pour respecter, pour stipuler le droit de l'homme, le droit humain. Mais qui fait signer ça, cet accord-là, quand nos droits humains, dans l'île Maurice, sont bafoués? Qui l'autorité peut signer? Plutôt pas signer.
Je n'ai pas trouvé que ça a une signature, qui ça a un engagement qui Navin Ramboulam peut prendre. Est-ce qu'il peut abide par ce règlement-là? Il n'y a pas pareil. Il paraît qu'il fout pas mal avec Nations Unies, il fout pas mal avec une décision grand la Cour européenne peut faire, il met à la porte une situation que l'Angleterre est un grand pays qui de temps à autre nous prend l'exemple. Ben là, qui rejette une carte d'identité, je n'arrête pas, et ici, nous, à Maurice, nous allons continuer, il n'est pas correct du tout, du tout. Nous, gouvernement, il a droit prend l'empreinte en Dimoun, excepté dans la loi criminelle, s'il y a un cas criminel là. Si Haïti est capable de prendre où aller, si, comment dire, il a où l'empreinte, il a un papier volant, il a tombé dans un site d'un crime. Alors, si un CID vient prendre où aller, ou il y a beaucoup de tracas, ou il y a un tracas ou famille qui n'est pas pour prendre compte, et a, ou besoin de trouver l'argent pour payer avocat, ou besoin de trouver facilité pour sortir le bill, ou il y a toute tendance qui ou besoin, si vous êtes un travailleur gouvernement, vous êtes capable de gagner, suspendre. Surtout si vous êtes la police, vous êtes capable de suspendre depuis dans votre travail. Alors, tout ça là, jouez contre ce type de carte d'identité là. Est-ce que nous avons un pays qui vient servir un pays qui servit une carte électronique? Vous êtes capable électroniquement de servir sa carte là pour swipe, comment capable de servir pour swipe dans la banque, les hackable, ça veut dire qu'il y a un monde capable de rentrer là-dedans et qu'aucun tout va donner. Et dans un pays comme Israël, 9 millions d'états biométriques sont perdus. Il n'est pas tigine ça. Il est 9 fois la population Maurice. Et que le judiciaire peut dire que l'île Maurice il prend toute précaution. Je pose-moi la question, est-ce qu'il vraiment nous sentit ça? Ramarao avec Patrick Assiavadin dit que l'Angleterre abandonne sa carte-là à cause de crise économique. Est-ce que nous, dans Maurice, nous avons un boom économique qui nous a l'argent pour gaspiller? Mais nous, dans Maurice, nous avons prendre compte vraiment. Qui peut arriver et équilibrer ce que le gouvernement peut dire. La Cour Premier ministre et Singapour finent faire en secret. Pareil comme Jinfei, Neotown, Mangalo, etc. Qui veut dire jamais ben Mauricien pour gagner droit connaît qui la Cour tienne. Si demain il y a une élection, je ne pas souhaiter qu'il puisse bien servir un code biométrique, un code à puce. Avec sa code à puce là, peut-être Singapour capable de décider qui s'en a pour gagner l'élection. Est-ce qu'il nous pas senti nous payer? Est-ce qu'il nous senti qu'il nous donne un pays démocratique? Ben pirate électronique capable sans tout donner le code sans qu'il vous connaît. Moi, je pense qu'il y a l'air pour tout ben Mauricien réveillé, prend compte de ce qui peut arriver aux autres. De ce qui peut arriver aux autres enfants. Est-ce que ceci ou Sagor Ramgoulam, en 1968, c'est sa même petite vision qu'ils ont dit ce garçon pour amener une intervention que va dire nous sentir nous l'armée attachée derrière nous les deux? Après, vous gagnez rince. Nous pas penser qu'il nous a concernés par la façon que le gouvernement déroule nos pays. Nous qui finissons voter, qui finissons amener nous au pouvoir, l'île est pour nous prendre considération, nous commençons à réveiller nous aussi, que le public sente nous mal à l'aise avec le fonctionnement du gouvernement. Ok, je vous remercie pour le temps, mais laisse-moi peut-être dire un petit peu qui motive vous expecter, parce qu'il dit bon, parfois nous dire comme ça, dit moun critiquer, mais c'est la solution. Mais laisse-moi dire où, depuis bien longtemps, nous trouvons qu'il nous cadre courant, nous cadre actuel, l'IMV modèle. Le 29 janvier, ce que nous sommes contents, c'est que dans nos cadres, les besoins m'ont mentionné qu'il y a une validité de 10 ans. Les besoins modernes mettent une photo imprimée de sa carte-là avec un hologramme. Un hologramme, ça veut dire une empreinte qui va dire que les gens ne sont pas capables de copier ça facilement.
pour sécurité ban citoyen, mais pas vin avec un code biométrique et pas vin avec un code code capable ak ban di moun. Et ça, code là, il peut coûter bien moins. Merci. Voilà. En grande ligne, le docteur Madeo exprime sur la crainte en tant qu'un citoyen qui est un code biométrique, qui qualité d'incidence un code biométrique capable d'en avoir sur la vie privée, sur la vie tous les jours. Mais au-delà du docteur Madeo, nous venons remarquer qu'il y a une grande partie de la population qui est en avoir sa même crainte. Et c'est ce qui nous permet de penser aujourd'hui, c'est que la cour s'y freine. Pas peut oser tendre que la population peut dire, alors qu'il dit, poser, quoi dire, dernier renfort contre l'agression envers ce privacy, envers le droit d'un être humain en Maurice. Sa partie population-là, nous finit trop vite parce qu'il nous finit récolter plus, à ce jour, plus de 15 000 signatures officiellement, de manière physique, sur l'Internet qui peut grandir de manière exponentielle parce qu'au fur et à mesure, si nous prenons notre compte avec le plus d'informations qui se fait gagner, ben, l'information contradictoire par rapport à une campagne unilatérale qui finit là, je peux gagner ma information au compte goutte et grâce à ça, je peux rendre compte qu'il est bien à compte ça. Et pour ça, ramasse toute sa signature-là, il y a un énorme travail sur le terrain, un énorme travail de sensibilisation. Nous voulons dire merci à Mangoun, comment Manoj, comment Jocelyne, comment Jeff, et comment un groupe d'immunes qui finit vraiment, on va dire, mettre les temps à la disposition d'un citoyen. Et c'est ça la force de la plateforme-là. C'est que ce n'est pas la guerre indimune, c'est la guerre une plateforme, un fond commun. Pour expliquer les technicalités du jugement qu'on a reçu hier, nous avons un avocat aujourd'hui. Et le premier à prendre la parole, c'est quelqu'un qui fait une investiguer à 5000% dans sa bagarre-là, dans sa bataille-là, et c'est Maître Erickson Ignapilé. Je vous laisse la parole pour qu'il donne des exemples d'état sur l'action judiciaire. Bonjour à tous les camarades journalistes qui sont présents et tous les camarades qui sont dans la plateforme No to New ID. Et je tiens à remercier la présence ancien ministre de la Sécurité sociale, Jocelyne Minerve, et qui à l'époque les a mené une bataille contre microchip, qui à l'époque même les a avant-gardiste, il trouve nécessité la guerre contre microchip et le danger que microchip est capable d'apporter. Juste pour dire qu'il nous prend connaissance du jugement du juge David Chan et nous bien déçus par le jugement. Déçus, mais pas découragés. Et d'emblée, nous trouvons plusieurs manquements dans le jugement et qui sont capables d'annoncer maintenant qu'ils ont fini de drafter plusieurs points d'appel et qui nous gardent de l'avant pour un appel contre le jugement du juge David Chan. La bataille des droits humains n'est pas gagnée du jour au lendemain. Et nous conscients, la plateforme No to New ID, que la bataille des droits humains, même si elle est gagnée, n'est jamais acquise. Même dans l'Allemagne nazie, China le judiciaire, China le tribunal, ça panne en paix que 6 millions de juifs aient été emmenés vers l'abattoir comme le bétail. Faut pas vous prendre beaucoup de temps, vous pouvez assez bref. Mais aussi, nous déçus que le juge David Chan ne prend pas en considération un jugement landmark comme SN Marper versus UK. Qui en lui-même lui dit que la collection à retention de données biométriques liée une atteinte à la vie privée. Et là aussi, nous dit que le judiciaire, malgré qu'il arrive à sa conclusion-là, nous appartiennent, fait une référence aussi dans l'Afrique du Sud apartheid, que Tchéna a un manquement dans l'Afrique du Sud, pendant l'apartheid, Tchéna le judiciaire, Tchéna a un tribunal. Mais ça n'empêche pas la portée.
Nous, la plateforme, nous tenons à aider, nous ne décidons pas de l'avant. Sa bataille-là, sa jugement hier-là, pas une vie ébranle nos convictions, et bien au contraire, les vies renforcent nos convictions. Nous ne perdons hier, mais nous fightons aujourd'hui. Voilà. Nous venons seulement Maître Erickson Mouniapilet qui peut battre nous dans cette histoire-là. Nous avons un avocat qui a une certaine réputation, qui est un fighter des droits humains à plusieurs niveaux, qui a fait ses preuves et qui donc, quelque part, une analyse pertinente de la situation du jugement et éventuellement de la situation des droits humains. Ce monsieur, c'est Maître Sanjeev Tilakdari. Je vous laisse la parole. Bonne camarade la presse, bonne camarade radio, tout bonne camarade plateforme citoyenne, no to biometric identity card. Vous saluez je tout. Combat plateforme no to new identity card, c'est pas combat tout seul ban mort plateforme. C'est pas combat docteur Mahadeo. C'est combat tout ban mauricien qui peut vivre le territoire mauricien et tout ban mauricien qui pas peut vivre le territoire mauricien. Qui fait fin et à sa action-là, le plan social, et qui fait fin et à caisse devant la cour. Tout le monde, sans distinction, je n'ai certaines 23 fondamentales. Ces 23-là, tout une convention, tout une constitution, fin reconnaître à travers l'histoire. Ce n'est pas 23 qui nous fin gagner, c'est 23 qui fin la loi, une convention, une constitution, fin reconnaître. Nous avons ce droit-là en tant qu'il nous fait naître comme être humain. Dans Maurice, nous avons chapitre 2 de la Constitution qui reconnaît ce droit-là et chapitre 2 les protéger par la Constitution, c'est-à-dire par une majorité, trois quarts seulement, qui parlement capable pour atteindre à mon ce droit-là. Les pas comme on impose qui la loi qui est capable de passer par une simple majorité, puis cette majorité requise. Les vrais qui, dans Maurice, comme toute bonne démocratie, nous pas une direct démocratie, nous pas une representative démocratie, c'est-à-dire nous élire, nous pas représentant nous avons eu de parlement. Nous avons eu de parlement pour je représente nous l'intérêt. L'intérêt, la population. Nous pas élire ce pour se gouverner nous comme ban les rois, comme ban autocrate, comme ban dictateur, comme ban tyran. Et n'a pas une décision fondamentale qui se puisse retourner vers les peuples. Soit, quand je présente ce devant la population, ce qui s'en tire, dans ce manifeste électoral, nous avons pas de dépenses, nous avons telle décision pour implémenter, les beaucoup dans nos ans. Et nous avons certains droits, la loi qui peut passer, qui possiblement capable d'enfreindre la Constitution. Est-ce que cette population se disposait pour nous? Nous pouvons demander, nous, si pas dans l'avenir, un parti politique, une décision importante, ce pape s'en mettre dans ce manifeste électoral. Premièrement. Deuxièmement, une dépense importante, comme investissement local d'identité valait actuel en 2013.
si pas qu'il mette dans manifeste électoral, est-ce qu'il n'est pas devoir l'Assemblée nationale retourne vers les peuples et demander par voie référendum est-ce que la population voulait ou bien n'a pas voulu comme identité biométrique. Pas qu'il fait tout ça. Ce film passe la loi, nouveau la loi, et moi ça dire, commence moi-même avant mon analyse à la loi là pour je dis. La loi National Identity Code li enfreint ce qu'on appelle the rule of law. The rule of law veut dire que tout bas la loi ça pour l'avenir, prospective. La loi ça claire, ça définir avec précision. Comment le citoyen peut connaître qu'il y a de provision National Identity Code? Ah. L'Ipsin a consulté plusieurs la loi. L'Ipsin a consulté National Identity Code, Acte 60 de 1985. L'Ipsin a consulté Finance Act 20 de 2009. L'Ipsin a consulté National Identity Code Miscellaneous Provision Act 18 de 2013. L'Ipsin a Get National Identity Code Regulations 1986, qui fut récemment révoqué en 2013. L'Ipsin a Get National Identity Code Regulations 2013, qui fut passé et proclamé le 13 septembre 2013. Et l'Ipsin aussi a Get National Identity Code Regulations 2013, Government Notice 237-2013 qui fin voté, qui fin passé avec effet rétroactif. C'est-à-dire, plateforme citoyenne, à travers son représentant, Dr. Maharaja Mahadeo, finit mettre sous case injonction. Ministère responsable, les trouver qui est un abonnement fort. Les venir à la dernière minute, quand injonction finit de juger, les venir avec un règlement le 3 octobre 2013. Right? Et les dire comme ça, faire, comment dire, ce règlement-là fin passé le 13 septembre 2013 pour donner ça la loi-là sous la force. Qui ça la loi qui gouvernement fin voté à la quatrième minute en juillet 2013. Faire tout bon reading, même jour. Nous, c'est un coup de qui ça la loi là. La loi là, d'abord, impose une obligation d'autonomie. Constitution, tout bas liberté fondamentale, dire comme ça, si un timon pas peut consentir, pas capable de faire telles affaires avec lui. Par exemple, liberté d'expression, liberté d'assemblée, et la même plusieurs les autres libertés. Mais ici, consentement, pas concerne eux. Pas concerne ça la loi là. La loi là impose une obligation unilatérale aux citoyens. La loi là, section 4, les dire tout du monde quand ce 15, 18 ans se puissent apply pour code identité. Et pour apply code identité, se puissent donner tout bande données qui, au camarade Erickson et Dr. Raja, ont fait mention, parmi une empreinte digitale. Une obligation pour la personne. Si les failles à sa obligation-là, qui va une sanction, il y a 100 000 roupies la main et 5 ans de prison. Section 4, les tirs, puis donne fingerprints pour purposes of application. Section 5, exceptionnellement, certaines catégories
ce qui n'est pas capable d'un fingerprint, là, pour une provision pour jeter. Et section 5, right, dire tout le monde qui finit déjà un avis code d'identité pour un délai pour se appliquer à un nouveau code d'identité. J'obtiens retourne ce vieux code d'identité. Section 6, obligation de notifier l'adresse. Section 7, là, on peut faire un petit pause. Section 7 dit tout le monde qui demande n'importe qui du monde produire ce code d'identité. Il mettait deux circonstances raisonnables. Ça, du monde-là, il a une obligation légale pour produire ce code d'identité. S'il n'est pas produit ce code d'identité, il a sanction 100 000 roupies la manne et 5 ans prison. Imaginez-nous, demain, vous pouvez marcher le chemin. Une personne dit, produis-moi ton code d'identité. Et au bout d'obligation, produis-le, sinon vous pouvez commettre une offense. Ou une obligation, soit produis-le tout de suite, soit dans un reasonable time. Sans quoi, il y a une sanction. Qui qualité la loi ça? Est-ce qu'il passe le test? Est-ce qu'il est reasonably justifiable in a democratic society? Qui ça veut dire qui du monde capable de vendre avec qui du monde? Pena aucune définition, pena aucune la liste, pena non rien. Les vagues, n'importe qui s'en a capable de vendre avec n'importe qui s'en a. Produit à moi ou code d'identité. Et vous pouvez une obligation tout de suite ou bien d'un délai raisonnable, sans quoi il y a une offense. Qui ça veut dire reasonable circumstances? Pas fin définir. Aucune place, ni dans Identity Code, ni dans Finance Act, ni dans Civil Status Act, fin définir qui circonstances raisonnables. Vous demandez où? Est-ce que si je fais un accident avec vous, je suis capable de demander où? Produire moi ou code d'identité? Nous demandons nous-mêmes la question. Si on trouve un code, un vieux code, bon là, soit nous-mêmes un vieux code, soit une autre personne ce vieux code, il a une obligation légale d'un délai 7 jours à donner ce code-là registré. Section 9 fait mention d'une sentence. Une sentence qui était augmentée de 10 000 à 100 000, de 6 mois à 60 mois, c'est-à-dire 5 ans de prison. Le ministre est capable de faire un règlement, il est capable de faire tout règlement pour le purpose de National Identity Code. On demande moi-même, section 7, est-ce qu'il va parlementer et ne réfléchit avant qu'il se décrive? Deuxième sous-section se tient any person who is authorized. Pena aucun la liste qui l'indique qui s'en a qui authorize. Est-ce que tout fonctionnaire authorize pour demander à n'importe qui citoyen code d'identité? Code d'identité là, nous pouvons dire dans les mêmes l'INA ban personal sensitive data, c'est-à-dire fingerprints. Qui répercussion fingerprints pour ENA? Avant de finir l'OSA, nous retournons en arrière un petit peu. Nous tous connaissons la technologie peut avancer à grands pas. Technologie peut avancer à grands pas, faire comment dire, nous avons 40 ans en arrière. 40 ans en arrière, qui s'en a-t-il pour réaliser, vous prenez un appareil comme ça, une autre personne prend un appareil comme ça dans un autre coin du monde. Nous sommes capables de causer. Est-ce que nous sommes capables d'imaginer? Est-ce que nous sommes capables d'imaginer, vous prenez un code ATM, vous ouvrez mon compte dans la banque de pour lui, vous voyagez, moi, New York, je suis capable de tirer l'argent d'une autre machine, pas en roupie, mais en dollars.
est-ce que 40 ans de cela, ça t'imaginable? Sorti technologie, progrès informatique, progrès domaine biométrique peut développer à grande vitesse. Qui la science pointée, qui niveau technologie nous peut arriver de 40 ans, de 20 ans, de 25 ans, nous pas capable de prédire avec précision. Mais ce qui nous capable de prédire avec précision, c'est-à-dire si biometric data, les follow and code, dans les années à venir, il est bien facile pour download ce bande de data-là. Et notre obligation, comme Walter Bisp, c'est montrer le contrôleur mon corps si je dépasse 60 ans. Tout pas de monde qui peut demander mon corps, je peux produire ce bande de monde-là, mon corps. Qui garantit moi, là, de faire un petit appareil, de faire un salaud sur l'appareil-là, l'infini download, tout ce bande de data-là. N'a aucune protection. Tout ça m'a été là pour available à toute personne, ce pour capable de valer un discours mauvais causé. Et pour possible avec biometric data, hack du monde sur email. Et pour possible dans les jours à venir pour hack, c'est-à-dire qu'aucun du monde sur code identité. Et pour également possible hack du monde sur bank account pour réaliser un travail en carrière. Ou gain ou l'absomme les versets dans le compte la banque, aujourd'hui. Demain matin, ou al check ou compte pour montrer zéro sous. Les plus possibles avec ban crime, ban cybercrime. Et les pouvins bien plus faciles si nous avons un accord d'identité biométrique, ça va nous donner là, nous ne pas connaître combien de fois il est capable de multiplier. Right? Un grand juge anglais, un grand lolo qui vient préside la destinée du conseil privé pendant presque une décennie. Lord Bingham vient dire une cause, protection 3, right to privacy dans l'Angleterre, côté l'Italie est regrettable, qui dans l'Angleterre n'est pas suffisamment protégé. Mais l'Italie est un grand crainte. L'Italie comme ça, the material gathered about the public by government agencies multiplies exponentially. The need to decide when the legitimate interest of government becomes intrusive, surveillance of Big Brother seems likely to become ever more pressing. Un grand juge Privy Council peut dire, ici, nous n'avons pas d'agence gouvernementale, nous ne pas connaît avec combien tierce personne se peut chercher sa bande private data-là. Tout bon private data pour un public data, les pour multiplier, les pour multiplier. Valeur du jour, peine aucun database qui full proof. Valeur du jour, peine aucun système informatique qui full proof. Je viens d'apprendre récemment, Madame Obama sur email un hack. Qui garantit nous, pas du monde, plateforme citoyenne, oui, là? Je demande moi-même la question. Fini dans une tentative, un petit monde fin de hack website gouvernement. Une tentative. Nous ne connaissons pas dans l'avenir si une tentative comme ça concrétiser. Si ça s'avère là possible, right, au niveau d'une institution gouvernementale, nous connaissons tous les jours une fraude bancaire. Même en l'absence de technologie biométrique et de la fraude bancaire, à ce stade, si nous mettons tout ça dans les données là, le code d'identité, tout ça fait possible. C'est-à-dire, la vie peut venir, comment dire, rentre de casino, tout ça fait capable possible. Nous pouvons ouvrir la porte à un floodgate. Nous ne pas connaître que ça pour commencer et que ça pour finir. Nous ne pouvons installer là l'élection. Élection pour puisse faire par code d'identité.
faire matière, fini faire counting, tout, fini faire élection, à trouver que, comment dire, c'est 70% de la population mauricienne fin voter. Elle a parti au pouvoir, elle a parti dans l'opposition. Elle a 30% abstention. Et tout ça, dans l'état là, avant les règles publiques, à un certain moment, les confidentiels, qui pourcentage fin gagner, fait comment dire, nous gagne parti au pouvoir, à être, et dire comme ça, non, mais pas 30% abstention finena. Finena, c'est 3% abstention. Au contraire, 27%, ce qui se fait dire de sa 30% abstention-là, 27% fait une vote pour nous. Et ça, une fraude informatique-là, pour possible à travers biometric technology. Et nous pouvons trouver nous-mêmes la nature, les caractéristiques de notre démocratie pour transformer, pour venir une démocratie, pour venir ce qu'on appelle élective dictatorship. Tout un risque est présent. Nous demandons nous-mêmes, Valère Tissou, si la police capable à l'acheter biscuit pour mettre l'eau on the scene of a crime. Si la police est capable à l'acheter biscuit pour mettre on the scene of crime, pour faire croire que telle version qui est correcte, qui est là pour planter une évidence comme un fingerprint. Les plus bien faciles dans les jours à venir pour download ban data comme fingerprints, le latex. Et cette partie, il n'y a pas content tel individu. Tiens, ça, individu-là, c'est pas Eddy, ça, les déclarés Che Guevara. Right? Ce fingerprint, c'est pas une place côté papissin. Pour arrêter, pour demander qui est évident, c'est là. Il y a real evidence, il y a fingerprints. Nous pas besoin de rentrer dans un chemin que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas. Nous faisons prendre compte du jugement qui le juge David Chan fait rendre le 14 octobre 2013. En tant qu'il est juste, me trouver ça un mauvais jugement. Un mauvais jugement dans tous les points. Dans chaque page, me viens moi-même et mon camarade Erickson Mouniapile, nous viens relève par grounds of appeal. Et nous demandons nous-mêmes, est-ce qu'il le correct pour dire que l'Assemblée nationale y a la raison. Lui tout seul a la raison. L'homme l'éther que je finis vote la loi. 46 milliards livres sterling. Que je finis issue 15 000 codes d'identité à 30 livres par code d'identité. Que je finis passe la loi. Qui fait, je fais scrap the legislation et je fais recall 15 000 cartes d'identité. Ça, c'est la grande question que tout à chacun s'impose lui-même. Qui fait l'Angleterre? Il prend sa décision-là. Why? Qui fait dans l'Inde un juge, la Cour suprême, fait trouver qui fingerprints? Les contraires avec un droit fondamental. Par exemple, s'il impose une obligation unilatérale à une personne sans son consentement, qui amount to inhuman and degrading treatment. Et il y a un breach of privacy right. Qui fait sa juge-là, qui fait application, et qui fait la Cour suprême indienne. Fin donner raison,
fin stay the executive decision low question other cause. Actuellement peut passer là. La fin septembre, les aussi actuels qui combat plateforme citoyenne permanente, qui fait de la France conseil constitutionnel fin dire, qui code identité biométrique que human and person sur empreinte digitale, qui fait le contraire à la Constitution. En Australie, en Canada, en Israël, en la France, en l'Angleterre, en l'Inde, tout ça va le pays là. Everybody is out of bounds except the National Assembly of Mauritius. Nous demandons nous-mêmes la question. Concept droit fondamental, l'INA en caractère universel. Chapitre 2 de la Constitution n'est pas capable de dire qu'un Mauricien il y en a moins droit qu'un citoyen américain, un citoyen britannique, un citoyen français, un citoyen indien. Concept universalité, droit de l'homme, c'est-à-dire ça va le droit que tout le monde a étant donné que ce n'est humain. Right?